profond, je pense quand même que c'était nous les plus. Ouais. T'es ouf. Esclaves de ton taf, t'en parles. Si t'es warrior et insoumis, l'espoir de ton pas t'enrage. Si le combat est ta logique, mec, si tu fais ton business en marche. Chronologie, mec, si la pierre fait au fils d'entrave, on est ensemble, on est ensemble. Esclaves de ton arc en bas, si t'es warrior et insoumis, l'espoir de ton bras t'enrage. Si le combat est analogique, mec, si tu fais ton business en marche, on est ensemble. Micronologie, mec, si la pierre fait au fils d'entrave, on est ensemble, on est ensemble. Toujours eu du monde, y'a toujours eu du monde à rien à faire du rap. Et puis ça c'est pas, enfin tu vois Rennes c'est pas grand quoi. Il y a en gros maintenant ça existe même plus, mais il y avait deux émissions de hip-hop principales. Mmh. En gros c'est là que les connexions se faisaient je pense au début. Mais tu vois des soirées hip-hop on passe toujours les mêmes têtes. Ça va très très vite quoi tu vois. Ça va super. Après moi je trouve depuis 2-3 ans là il y a eu beaucoup de mouvements en fait. Ah, ouais. On a quand même, enfin on peut se targuer d'avoir 3 festivals quand même. Hip-hop à Rennes, Doulinite, on a les quartiers d'été, puis il y a Urbaine. Donc voilà, pour une ville de cette taille-là, c'est quand même pas négligeable. C'était un truc qu'il n'y avait pas 5-6 ans après. Bon, je pense que ça serait prétentieux de dire qu'on en est à l'origine. Je pense que ça s'est développé, on s'est tous développés en même temps. Ça va d'un seul et même mouvement, en fait, quoi. Je pense qu'il y a eu un effet quand même à un moment où c'était pas évident de programmer le hip-hop, surtout dans les bars et les cafés cons, quoi. Ouais, et puis les centres-villes, les salles du centre-ville. Nous, on s'est rencontrés sur les open mic, ça se passait au Jardin Moderne ou dans des trucs comme ça. Mais du coup, le fait de traîner aussi avec des rockers, de rencontrer du monde, tu vois, nous, ça nous a permis de jouer dans des bars quand même où c'était pas souvent qu'il y avait du hip-hop. Parce que le cliché ça va partir en couille et tout ça. Et du coup après le truc a suivi. Et donc il y a de plus en plus de gens qui jouent, le mouvement il grandit, il y a vachement de groupes à Rennes. Le hip-hop est présent. C'est vrai qu'on a peut-être fait partie aussi des concerts qui se sont bien passés à Rennes en hip-hop. Et c'est peut-être ça qui a convaincu d'autres gens d'organiser des événements hip-hop. Quoi. Mais c'est vrai que quand on a vraiment commencé à la base, c'était très compliqué de réussir à jouer à la cité, à l'Ubu, n'en parlons pas. T'as vu mon message ou quoi? J'adore tes Air Jordan, mais c'est lesquels? C'est les 12? C'est 12 mélangés, elles sont hybrides. C'est des hybrides, exactement. Parce que je les avais, celles-ci, je les ai toujours. En fait, t'avais un logo Jordan jaune qui faisait penser de loin au logo Ferrari. Un peu, ouais. Ouais, grave. Tu les avais, celles-là? Ouais, elles étaient sorties en 99. La bonne époque. 99. Ok, vous êtes là, quoi. Oui, ça fait. Les trois corps de ma ville, mais vous regardez moi. Les questions viennent, mais ne repart pas. Je suis au cœur de la ville, j'ai parti de ces artères, mes pseudonymes. La street et le terre-terre, si t'espères me faire taire en me crachant dessus, tu seras déçu de savoir qu'en me regardant chez le miroir de la rue. J'en ai une larise adaptée à tous les gens qui abusent, à ceux qui butent, à ceux que ça amuse. Car j'en suis la muse accusée de prosélytisme à cause des prostituées qui me rapportent à longueur de journée du lundi au dimanche. J'habite les mères à mort, je suis plein pour être résumé, ça fait en une strophe. Un arrêton en pleine simulation de vie pauvre presse. La majorité des gens font semblant d'être riches. Heureusement, face à la mort, plus ne peut tricher. J'ai croisé tous les clichés, fichés par chez soi, des ans au fiche à deux digits, clips en photo, fichés. Les fichés et les clips fichés, je les rachis, à qui j'ai fermé par des amis. Tout le monde, regarde-moi. Les trottoirs de ma vie me disent regarde-moi. Les questions viennent mais ne regarde pas. Les trottoirs de ma vie me disent regarde-moi. Phénomène prosélytisme, réseau dévoué au dénommé prosélytisme. L'air de la suite à
à ce parfum de plus au tien. Mais est-ce que la vie n'est qu'un jardin de chrysanthèmes? Les questions viennent et ne repartent pas. Mais chaque trottoir de ma vie me dit regarde-moi. Ok. Les trottoirs de ma ville me disent regarde-moi. Les questions viennent mais ne repartent pas. Non. Les trottoirs de ma ville me disent regarde-moi. Si le sang est sur les bras, sur l'instrumentalisme, entre les bruits, souvent le jour et le silence, puis quand la nuit, je passe. Face au ciment qui dénivaut, qu'une empathie. Si les stars, je pense, sont payants, oui, mais la violence gratuite, je passe. Deux sentiments bannis en plein cœur de la ville de bâtissant, un lit de bâtiment fragile, là où j'habite, man. Qu'un plus dans les rues, très, plus et là les trois, ou presque rien, les trois, on se demande même moment les murs d'hier. Chaque antenne, c'est urbaine, synonyme de succès, synopsis de la vie dont je profite la mort en suspense. Les cris des sons, puis c'est pas pour que je suis en pleine. Y'a comme un désaccord dans cette symphonie urbaine. Trottoir de ma ville, on jamais vu les toits ni les étoiles, mais y'a des cas de fois, ils semblent crier. Regarde-moi. Vous êtes bien à l'étage ou quoi? Le groupe, ça fait depuis 2004-2005 qu'il existe. Après, nous, on a, on n'a jamais entamé de carrière solo, vraiment, quoi. C'est juste que chacun fait, quand ça lui chante, ou un morceau, tu vois, par-ci, par-là, ou une apparition avec d'autres mecs, ou quoi. Voilà, si, il y a Casta qui a sorti sa mixtape. Si, j'ai sorti un album, quand même, en 2010, faut le rappeler, Un homme du peuple. Donc du coup, moi j'avais ça en tête depuis longtemps. J'étais dans plusieurs groupes avant aussi de bosser avec Micronologie. Tu vois, à la base, on est quand même une bande de potes et tout. Donc moi, j'ai sorti un album en 2010. Et puis après, des mixtapes. Voilà, tu vois, le truc qui continue, quoi. Pareil, j'espère faire un nouveau solo pour 2013. Chacun essaie de faire ses petits projets quand même aussi à côté, tu vois. En fait, chacun son univers aussi, quoi. Ouais. On a posé un groupe, on se retrouve, il y a une bonne formule, mais chacun aussi, c'est ça aussi un groupe, quoi. Chacun ramène son truc. Et après, bon, bah, pour ceux qui veulent retrouver l'univers de chacun, il y a matière aussi à côté, quoi. Ça, tu prépares un projet aussi. Connaissant le phénomène, ça va être un truc, voilà, ça va être bien hybride, ça va être chambé. Et moi, pour ma part, je prépare un truc avec Réseau. Un beatmaker, ok. Et alors, ton projet, c'est quoi? Ah, mais je peux en dire un mot maintenant. Ah, ça, c'est une sextape. Voilà, c'est une sextape réunissant mes meilleurs amis. C'est un featuring dessus. Voilà, quoi, de New York, en passant par Édimbourg, évidemment, en allant jusqu'en Nouvelle-Zélande, en fait, quoi. Donc, je me suis vraiment baladé à travers la planète, ce qui m'a permis de repérer les meilleurs éléments pour mon projet, quoi. Voilà, 16 mesures. 16 mesures dans une position différente à chaque fois. Ok, vas-y, dis-leur ça. J'aime. Y'a ce mort sur un pipi, entre chien et loup, au-dessus d'une fracture, on est rond sur un film. Il est sombre, quand les lumières dansent sur la ville. Quand il peut des corps qui finiront à mon cou, qu'ils en écrivent systématiquement froid. Parce qu'il n'y a que la révolte qui se dilue dans nos 8-6. La même crise qui tourne, t'en prends la mouchoir rouge. Mais connais-tu, il se coupe sans dans la bouche. Et peut-être que vous le saviez, sans quelques bouts de papier. Y'a le meilleur et le pire quand le doute a parlé. Attraquer nos destins sur des roues enfumées. On sait avoir un bon étroit sous un ciel pollué. Flingué par les cages, ton prisonnière du clash, ton est parmi en otage, ton amorcer le crash. Rache, si on perce, mais on reste à l'écart. On persiste, on perd, mais on baisse pas les bras. J'erre à travers le temps, comme des tas d'âmes. Irréversiblement, je délivre mes états d'âme, c'est comme ça. J'extériorise la haine cachée au plus profond de mon être. On appelle ça le mal-être, ne fait qu'à poids si malaise. Opération à cœur ouvert, aurais-je perdu la raison, il faudrait que je me mette au vert. J'pose, avant la cirrhose, le game over, l'overdose. Ouais, dans un verre, en écrivant divers prose. J'ai souvent les idées ailleurs. J'ai pas de la musique, mais y'a clair que j'ai l'esprit travailleur. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Stone Groove, la 10e Stone Groove, c'était là, salle blindée, on avait joué une demi-heure et puis en fait, juste après, grosse surprise, il y a un brossard qui s'est pointé, Jean-Louis, programmateur des trans, qui nous a dit voilà, qu'on allait jouer aux trans à la suite de notre concert, donc on s'y attendait pas du tout, lui-même il devait pas être là, il est venu là, isolé par chez lui quoi. Puis voilà, grosse surprise pour nous et puis c'est un peu là que aussi que ça a commencé pour nous, tu vois. Faire des scènes plus importantes, enchaîner les plus grosses dates. C'était en 2006, c'est ça, ouais, voilà, les trans, en fait, ça a été le premier tremplin qui nous a permis de bouger en dehors de Rennes et même de Bretagne, en fait, quoi. C'est suite à ça qu'on a été programmé un peu partout en France. On a eu la chance aussi de bouger un peu à l'étranger. Donc,
Ouais, puis après les trans, il y a aussi eu d'autres trucs qui nous ont aidés. On a fait les charrues, on a gagné le tremplin des charrues, on a été découvert du printemps de Bourges en hip-hop en 2010. Donc quand t'associes, quand t'additionnes le tout, ouais, c'est l'ensemble aussi qui nous a permis de pouvoir sortir de chez nous. Bonne date, moi, en souvenir, quand même, j'ai Paris, la Bellevilloise, qu'on avait kiffé, et il y avait aussi Poitiers, première partie de Blizz The Ambassador. C'était récent, quoi. Ça date de quelques mois, quoi. Et voilà, des bons kiffs comme ça, quoi. Donc là, on a quelques dates de prévues pour les mois qui viennent, dans le Grand Ouest, principalement. Donc voilà, toutes les dates sont dispo sur Internet, bien sûr. En ce qui concerne le son, on prépare un album. Donc ce sera le troisième album, en sachant qu'on a sorti un maxi vinyle en préambule qui s'appelle Tu Bassé, qui est sorti il y a maintenant un an et demi, deux ans, je sais plus. Un an, ouais. Non, deux ans, en fait. Ah ouais. Déjà. Ok, putain, c'est pas suite. De la brillante, de la paix, les yeux collés à moi, j'ai du bordel dans la chambre de la vieille. Elle frise à soixantaine et pour elle, je vis une parenthèse à part entière. Je veux pas rentrer normal au pénis, ça m'empère. J'habite, je laisse aller, concours de circonstances, surtout quand l'expression, je fais kiffer ta mère en tout son sens. J'ai fait marche que mon fils, un peu comme un dit fait l'osmose. Et pour cause, allez, on trinque ce soir, on fait la ménopause. La règle de nuit pour mon privé, je suis pour la mère, la fille, pratique la gymnastique pour nous en criant. Ici la famille, agenda très brisé, je fais ça pour la chance, madame. C'est contre Pétrique, je laisse pas le choix dans la date ni de toi dans la main. Si ce port humain se fait ses dessins, j'y mets du mien car sans cyprine j'ai peur d'y laisser mon fin. Elle connaît bien le corps humain, elle quitte mon trésor plus loin. J'exonne du clair dès que je sors du bain, j'ai le corps d'une d'un sexe humain. Regarde, cherche un jeune homme, amateur de femmes pures libérées. Elle veut toutes ressembler à demi-mour. Madonna reste à demi-mour.